François, oh la vache. François. Non, c'est moi. Tu me vois ou est-ce que tu nous vois tous les deux? C'est bon, tu nous vois tous les deux. Toi qui est maintenant qui a migré aux États-Unis, qui a vu plein de shows à l'américaine et tout, qu'est-ce que tu penses de ces Trace Urban Music Awards? C'est très bien pour l'instant, c'est vrai que c'est bien organisé pour l'instant, c'est une bonne ambiance. Enfin, tout le monde se connaît, c'est assez familial, mais c'est vraiment cool. J'imagine que tu kiffes le rap? Bien sûr, c'est que moi, surtout vivant aux États-Unis maintenant, quand le rap est très très présent, c'est tout le monde du sport. Et voilà, j'ai grandi un peu avec ça aussi, donc toi, tout le monde, comme je dis souvent, je pense que tout rappeur voudrait être athlète et tout athlète voudrait être rappeur aussi un peu dans l'âme, donc c'est une bonne communion. Mais alors, du coup, toi qui maintenant vis aux States, j'imagine que tu kiffes plus les rappeurs américains que les rappeurs français, non? Ou alors t'as toujours gardé ce côté, non, le rap c'est France, ça me fait kiffer. J'ai toujours gardé ce truc-là, c'est vrai que bon, j'ai grandi avec le rap français aussi, comme je suis français, donc ça peut je mixe les deux. Alors c'est quoi le dernier rappeur qui t'a vraiment fait kiffer? Le dernier album que j'ai acheté, celui de Booba. Celui de Booba, futur? Exactement. Tu le valides complètement? Bien sûr, non, bien sûr, c'est vrai, que, voilà, c'est vrai qu'il est pas mauvais. Pourquoi il est pas là ce soir? Je sais pas, demande-lui. Tu demanderas si tu verras. Je vais essayer de lui demander, ouais. Ok, bah, merci beaucoup. Pas de problème.